messieurs, soyez bienvenus sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, perso. Ça va péquer comme d'hab, les potes. Dans cette vidéo, on va se faire quoi? Tout simplement, on va partir, comme vous avez pu le voir, acheter plein de skins. Hein, voilà, bien évidemment, à se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si jamais cette vidéo vous plaît, les potes, pour m'encourager à en faire d'autres. Bien évidemment, je suis en train d'essayer de préparer des idées pour tourner en extérieur avec ma caméra. Donc, si jamais vous avez des idées, vous aussi, des vidéos que je pourrais faire dehors, n'hésitez pas en style vlog. En attendant, nous, on est parti sur mon compte Brawl Stars pour faire un maximum d'obtention de skins, j'ai envie de te dire. Voilà, tu peux voir juste là du coup, je suis avec mon arcade que j'ai tout simplement juste passé là, hein, il y a un instant, passé à 500 trophées. Regarde un peu cette série de victoires juste ici. Donc je vais utiliser mes 512 gemmes pour aller acheter un maximum de skins, comme tu peux le voir juste ici. On va se faire plaisir, alors abonne-toi si c'est pas déjà fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, lâche un gros pouce bleu et partage bien évidemment cette vidéo à tes potes pour les faire devenir découvrir la chaîne, surtout si tes potes de classe ne me connaissent pas encore. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée. Ah oui, j'attends de savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà, bah, moi personnellement, ma rentrée, c'est chercher du boulot. Ah putain, mort de rire. Allez, c'est parti. Vous pouvez voir déjà qu'il y a plein de skins juste là. Il y en a 4. Moi, celui qui me fait le plus rire ces derniers temps, depuis que je l'ai vu la première fois, Karl, chevaucheur de cochon. Il me fait rire. Regardez-moi ce skin. Quand il est là, comme ça, on dirait qu'il a froid, le con. Il grelotte que pas possible. Donc, je vais l'acheter. Tu sais quoi, comme ça, au moins, il grelottera un petit peu moins. Premier skin d'acheter, du coup. Hop là, il est où? Juste là, Karl fou du volant. Absolument pas, Karl chevaucheur de cochon. Vous pouvez voir que du coup j'ai déjà Karl normal, Karl fou du volant donc, et Karl chevaucheur de cochon, parfait. Donc je vais choisir celui là et juste ici je vais partir sur celui qui est en petite offre spéciale. Voilà, mon petit Franck des cavernes à 49 gemmes. C'est Tipar, ça part pour l'obtention d'un beau skin. Hop là, ensuite on va prendre El Rey Costaud. Parfait, ça nous fait encore un autre skin supplémentaire sur Costaud, parce qu'il me semblait que j'en avais déjà un. Il nous manque plus qu'à prendre justement celui-ci, Brock Tuning. Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Ça faisait un bike qu'on pouvait pas se l'acheter. Et ça fait plaisir de le revoir. Ça fait vraiment plaisir. Donc je me le prends. Et il y a pas longtemps, moi j'avais une offre dessus à 80 gemmes, si je dis pas de conneries. Enfin, ou 99, ou je sais plus combien, ou je me souviens plus exactement. Mais voilà, bah, Brock Tuning, c'est cool. Et je vais également me prendre celui-là, Colt hors la loi en point star. Là, on a fait le plein de skins. Moi, je vous le dis, on a fait le plein de skins. Il m'en reste 153. Je vais éviter de toucher à mes gemmes dès à présent. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, quand le skin sur Léon il va sortir, je pourrais me l'acheter directement, ou du moins quand je l'aurai dans le magasin, parce qu'en tout cas je sais absolument pas s'il est déjà dispo ou pas. Bref, vous savez quoi, moi ce que je veux tester pour le moment, c'est d'abord le skin de Karl chevaucheur de cochon. Donc on va partir avec lui, on va aller en Brawl Ball ou en survivant. On va se faire du survivant, comme ça au moins ce sera peut-être un minimum plus rapide. N'oublie pas bien évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un pouce bleu si jamais tu aimes le contenu et que t'apprécies tout simplement. À savoir une chose également, c'est que sur mon Karl, j'ai mis en place du moins son deuxième pouvoir star, qui fait en sorte que quand il ulti, il reçoit enfin un bouclier qui lui permet de prendre pas trop cher, pas trop de dégâts. C'est un pouvoir star que j'aime beaucoup dessus, parce que du coup ça lui permet d'être un peu plus efficace dans les ultis qui tapent, et ça c'est pas négligeable. Attention, je vais peut-être prendre un kill juste ici. Le Korbach qui me semble être une bonne proie. Oui, nickel, j'ai réussi à faire le kill du Korbach. Maintenant on est Tipar pour essayer de faire encore plus de kills que ça, mon pote. Ah bah ouais, moi tu veux que je te dise quoi, on est parti pour faire encore plus de kills que ça, mon gros. Attention juste ici, peut-être, oui, le deuxième kill qui est passé. Et là j'ai une Billy à terminer. Qu'est-ce qu'il fait le fond vert? Déma mes cheveux. Il reste encore 5 personnes, 4 maintenant. C'est tendu, vraiment je vous le dis, c'est assez tendu quand même. Ça s'annonce coriace, hein, ça s'annonce coriace. Voilà, j'ai réussi à faire encore un kill ici. On va s'occuper peut-être du El Costaud, le El Costaud qui va arriver à m'avoir. Voilà, c'est pas grave, j'ai fini 3ème, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Ça fait quelques trophées en plus sur mon Karl, le chevaucheur de cochon, plus 6, c'est nickel 6 au final. Donc là-dessus c'est fait. Je vais essayer d'aller voir également le skin que je me suis pris sur Colt, voilà, qui est un skin que je n'ai pas vu là du coup. À savoir que j'ai Colt le rocker et maintenant Colt hors la loi. Et bien évidemment le no skin, et le, je préfère celui-là quand même, le Colt le rocker, il est vachement sympa en Elvis Presley. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon El Costaud avec El Rey Costaud. Je vais prendre son deuxième pouvoir star qui lui permet de courir méga vite. C'est Audrina qui m'a pack le pouvoir star. Ah, ça je vous le dis, c'est Audrina qui me l'a pack. Est-ce qu'on viendrait pas de perdre quelques trophées? Moi je vous le dis que oui. Ah bah oui, malheureusement. Aïe 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 aïe. Donc on repart bien évidemment pour essayer de choper le maximum de trophées possible dans cette partie là. Attention, moi je te le dis, ça va faire mal. Alors je suis un petit peu encerclé là, un petit peu comme tout à l'heure, c'est en mode gangbang, c'est vraiment le pute. Bon, bah vous savez quoi?
Je laisse tomber avec El Costo. Je laisse tomber avec El Costo. Moins 6 encore. Moins 6. What the fuck. J'ai perdu 12 trophées en 13 secondes. Allez, à la limite. Bon, vous savez quoi, c'est déjà pas mal. On a fait un petit peu le tour de tous les skins que j'ai réussi à acheter et les parties que j'ai fait avec, du coup. Même si j'ai utilisé que Karl et El Costo au final. Bon, j'espère dans l'ensemble quand même que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, dites-le moi comme d'hab dans l'espace commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez mon Twitter et mon Instagram dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça me ferait toujours plaisir. En tout cas, pour notre part, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo, ou alors un peu plus, voilà, 2, 3, 4, 5 jours, je ne sais pas, en fonction de l'inspiration, mais également si jamais il s'agit d'une vidéo un petit peu plus travaillée ou un peu mieux que du Brawl Stars, tout simplement, quoi. Donc, pensez au pouce bleu, l'abonnement, le partage. On se dit à dans 2 jours, prenez soin de vous, la famille. C'était Tib, et ciao, ciao.